Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un tuto de peinture, de clôture, de barbelé de mon partenaire Normandy Wargame and Battlefield. Bah écoutez, ne vous étonnez pas si vous avez des sous-titres en anglais, donc ça vient de mon partenariat avec The Army Painter, donc pour la communauté anglophone. Ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au tuto. Allez, on va sous-coucher nos barbelés avec du color primaire Chaotic Red pour symboliser la rouille. Ensuite, on va prendre du gunmetal et on va effectuer un brossage à sec sur toute la surface de notre barbelé. On va ensuite prendre du fur brown avec une protection de blister qui va nous servir dans un premier temps. On va tamponner avec la couleur et on va essuyer tout doucement sur un sopalin et on va venir faire un stamp, hein. On va stamper sur le grillage un petit peu partout, donc voilà, on va tamponner notre grillage d'un côté comme de l'autre, hein, au niveau de la face. On va prendre du Mars Red pour faire la même technique que précédemment, sauf que là ça va être un peu plus rouge, donc on va tamponner un petit peu de partout. On va prendre du Dry Rust, qui est une couleur rouille, hein, on va symboliser la rouille. Donc là, j'en mets encore une fois deux partout, sur les poteaux, sur le barbelé. Je vais ensuite prendre du Mid Brown, hein, qui est une couleur qui me va bien pour mettre des taches, ça et là. Voilà, faire un petit fondu, et surtout à la base du grillage. Voilà, donc veillez à ne pas remplir les trous, hein, du grillage, voilà, dans le creux des pylônes, hein, des poteaux. Donc là j'en passe un petit peu de partout. Voilà, une fois sec, on va reprendre du métal, mais cette fois-ci du Shining Silver, donc métal un peu plus brillant, et là on va passer sur les arêtes des poteaux ainsi que du grillage, hein. C'est pas tout à fait un brossage à sec, c'est à peu près on essuie un peu le pinceau. Je vais prendre du matte black cette fois-ci pour faire la base du socle. Alors désolé pour la caméra, je me suis un petit peu loupé au niveau du cadrage. Ensuite on va prendre du Filthy Cape, et on va peindre le contour de la base du socle du grillage. Ensuite, je vais passer un voile de vernis anti-shine. Et Victoria Game, donc mon partenaire, Mantic France, m'a envoyé deux types de couleurs de bitume, donc un plus foncé, l'autre plus clair. Donc je vais choisir le plus clair, que je vais donc venir coller en mélangeant de la colle PVA et de l'eau. Alors là, c'est à peu près un tiers d'eau, on va dire 25-30% d'eau et le reste de colle. Et je vais venir l'appliquer que sur la base. Alors d'abord, je fais un côté, hein, donc je vais venir saupoudrer le bitume et je ferai bien sûr l'autre côté du socle. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Donc on va laisser bien sûr sécher ce bitume, hein, ce simili bitume un petit moment, voilà, peut-être 2 heures. Et ensuite, je vais récupérer l'excédent
voilà, de façon à le remettre dans sa boîte. Alors là, je vais prendre du Papercraft, hein, des journaux hein, que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo. Donc je vais simuler des journaux qui sont venus avec le vent se coller sur le grillage. Voilà, je vais mélanger toujours de la PVA et de l'eau et je vais venir placer aléatoirement mon journal. Voilà, c'est pour rendre un peu plus réaliste. Ensuite, donc avec mon pinceau, je vais appliquer de la colle à bois et de l'eau de façon à bien coller ce journal sur la base de mon grillage. Ensuite, je vais prendre des feuilles donc que vous trouvez dans le commerce, mais moi j'avais fait une vidéo là-dessus, comment les récolter gratuitement. C'est des chatons de bouleau. Donc voilà, ça évite de dépenser des sous. Et je vais les appliquer à la base de mon socle, voilà, pour toujours, pour simuler les feuilles apportées par le vent. Voilà, alors je vais faire ça bien sûr d'un côté comme de l'autre. Donc là, je tapote pour faire tomber l'excédent. Voilà ce que ça peut donner, en gros, hein, sur le résultat final. Donc là, on va laisser sécher. Pour saisir ces feuilles, on va passer de l'anti-shine à nouveau et on va faire les finitions donc avec différentes herbes, citadelle, stuff world, et je vais venir positionner donc un petit peu à droite, à gauche, les herbes que j'aurai sélectionnées. Donc là, c'est des petites touffes d'herbe. Ensuite, je vais placer une touffe citadelle, donc de la marque Citadelle. C'est un peu de l'herbe séchée, voilà, pour vieillir un petit peu la végétation. Donc voilà, je vais maintenant passer à des petits arbustes. Donc je vais enduire de colle, je vais le mettre dans les interstices du grillage pour symboliser les petits arbres qui ont poussé, voilà, à travers le grillage. Je vais en mettre aussi au bout de mon grillage. Voilà, donc je vais pas trop charger, hein, je vais pas trop en mettre, et je vais laisser sécher tout ça et nous en aurons terminé avec ce tuto. Voilà, donc là c'est très simple, hein, voyez, simple et efficace, hein, vraiment on fait dans la simplicité et l'efficacité, et le tabletop, toujours en visant le tabletop. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma communauté anglophone, maintenant je vous ai dédié spécialement pour les tutos de peinture et exclusivement pour les tutos de peinture une playlist avec les sous-titres en anglais. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.